Et yo les petits potes, c'est Rookie. Aujourd'hui, gameplay avec la Striker. La Striker, je vois quasiment plus personne la jouer et pourtant, elle est toujours très forte. Alors, peut-être pas autant que la Supery pour ce qui est moyenne distance et autant que la FGX Horus pour tout ce qui est courte distance corps à corps, mais franchement, elle reste top tier dans les SMG. Et là, je l'ai utilisée en tant que soutien sniper. Elle m'a pas du tout déçu. J'aime bien le feeling avec cette arme. Et donc, voici la classe setup que j'utilisais durant ce gameplay. Je l'ai joué à la mire. J'ai pas joué de canon. Il n'y avait pas nécessairement besoin de canon si on utilise les munitions à grain élevé qui permettent donc du coup une augmentation de la portée des dégâts et de la vitesse des balles. Il faut forcément un compensateur réducteur quand même pour compenser le recul de l'arme de base plus celui ajouté par les munitions. C'est aussi pour ça, et notamment comme je m'en sers comme soutien sniper, que j'utilisais la poignée Sakin ZX afin du coup d'avoir un gain de contrôle du recul. Enfin, maximum de cartouches, donc 48 cartouches, c'est. Enfin, non, c'est pas le maximum de cartouches, mais je trouve que 48 cartouches ça suffit très bien. Là, c'est un gameplay en solo duo. J'avais pas envie de mettre 60, j'avais peur de trop pénaliser l'arme. Mais bon, ça c'est vous qui voyez. Et enfin, en accessoire canon, j'ai utilisé le garde-main DR6 pour tout ce qui est mobilité. Et franchement, elle m'a bien régalé. Profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde! Besoin de reconnaissance. Non. Mi hanno ucciso.
Eccola la scena. È la maschera, tanto. Bello. Oh, Borgo, ma dove eri? Guarda, sono ucciso. Porco mio!